Picard a gagné, t'as pas le deuxième peut-être ? Nico, Nico, t'as pas le ah, je crois que j'avais vu une photo, ouais. Mais c'était pas, non, c'était pas un seul, ça, c'était pas lui. C'était pas un truc à Lille, ça ? Ah oui, il y avait un truc à Lille aussi, ouais. Si, il y avait la salle, là où il y avait... Ferradit, j'ai vu. Ouais, bien vu, bien vu. J'ai vu Ferradit, il y avait tout. Je sais pas ce qu'il avait. Je crois qu'il a même pas fait de tour. Je crois qu'il avait pas de tour. Non, mais Tariq, c'est un peu psy. Est-ce que t'as besoin d'accompagnement ? Oui, enfin, c'est soit ça, soit le podcast. Donc, allez, j'arrive. Pour la finale, ce serait dommage. Oh, putain, c'est pas chaud, ça m'a. Allez, on est parti. Allez, Link 69, mais c'est un peu tard comme message. N'oublie pas que je t'ai upset, je sais pas de qui tu parles, mais je suis désolé pour lui. Mais Philippe m'a fait aimer, il était sa compète. Ça a pris 3 ans pour trouver le bon équilibre. C'est bien, au moins tu l'as trouvé. Ouais. Tous ceux en fait qui trouvent pas cet équilibre, faut... En vrai, je pense que ça va pris à peu près 3 ans aussi. Pour, ça quoi? Ça a pris à peu près 3 ans aussi pour vraiment... Ah oui, savoir ce débloquer, que tu veux, on va dire, ce que tu veux autour du jeu, ce que tu penses à la compète et tout, ouais, ça prend un bout de temps en fait. Ouais, tu crois savoir et puis en fait tu te tapes des bonnes wins, des bonnes loses, etc. Et tu varies tellement dans tes avis. Les Gong Tech 69. Comment ça, Tech 69? C'est Dokog 69. Dokog qui. Putain, je t'ai deck de pas avoir battu Dokog, je voulais jouer contre toi. Aïe aïe aïe, c'est vrai que ça aurait été drôle, ça fait ouais, longtemps. Ouais, ouais, c'était close. C'était j'aurais close. Pas voulu jouer contre ton DK, déjà parce qu'à chaque fois je lui ai roulé dessus. Non, j'aurais pas joué DK, mais là je jouais DK. Bah là c'était parce que j'avais. À la fin tu te disais, bon allez, on tente. En fait c'était les... J'avais pris une game de Frenemies par contre Dokog. Ah. Sur FD, et je me suis dit, vas-y, je vais faire la même. Même sur la dernière, sur la dernière game, enfin potentiel dernière, t'as quand même tenté. Ouais, aïe aïe aïe. Ah, il faut. Bah, c'était close. Ouais, c'était assez close, c'était assez close. C'est vrai qu'au début c'était un peu mal parti, je crois, puis t'es remonté au stock, et puis après, bah non, voilà. Non, ce soir, j'étais la pire pro du monde. Ah, et puis il a eu tellement peur qu'il a DQ. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Oula. Putain, le petit Raptor Boost à la PM. Qu'est-ce que ça dit, les joueurs sur CS qui m'ont mis mal? Ouais, après j'ai l'impression que des communes comme CS, LOL et tout, t'es tellement plus loin en fait de la commu. Oh non, c'est terrible. T'es même Dota, je pense, c'est un peu pareil, t'es loin de la commu après, en fait. Les gars, la commu c'était pas avec qui tu joues et. Ouais. Par contre, genre, je vous confie un truc, genre la commu de WoW, je sais pas si vous avez affaire à elle, surtout WoW classique, c'était vraiment la pire commu déjà que j'ai combattu. Tu dis en fait, tu vois ces gens IRL, c'est les pires gremlins troglodytes. Aïe aïe aïe, tu te rappelles de l'allemand là qui explose son clavier quand il perd, je crois, à CS, un truc comme ça. Un très vieux même qui a genre 20 ans, genre ça me fait penser à ça. Mais en fait c'était vraiment juste, t'es forcé, plus ou moins on va dire, enfin, t'es pas forcé mais tu vas être dans une communauté avec une grande partie de personnes genre juste absolument pas aimables, c'est vraiment les pires trolls de l'internet. Ouais ouais. Absolument répugnant et c'est choquant. Bah je pense que c'est aussi une des communautés les plus reclus, enfin je veux dire, tu dois citer des mecs qui sortent pas de chez eux, qui ont pas trop d'amis, je pense, enfin sans être méchant, mais la commune WoW en fait bien partie quoi. Ah ouais, je saurais bien dire parce que pendant le Covid, je restais 16 heures franchement, on m'a dit à jouer à WoW, donc j'ai un peu des. Non mais j'entends, mais à côté tu vois, tu fais des trucs et tout, et je pense qu'il y a beaucoup en fait qui ont pas vraiment de vie et qui jouent à WoW quoi. Ouais. Et qui s'en satisfait quoi. Ouais. Angry German Kingman, exactement. Unreal Tournament? Non, UT, la commu est cool. Enfin, je sais pas en fait, oui. J'ai fait un tournoi UT dans ma vie, alors que j'étais un gros noob. On a fait un tournoi et on a fait 5ème sur 15, un truc comme ça, on était content. Putain, en parlant, je sais pas qui, Fancy a dit, c'est un centième des dramas qu'on voyait sur CS. J'ai vu un drama aujourd'hui là, par rapport à une meuf. Un joueur français d'ailleurs, un ancien joueur français qui s'appelait Maniac, qui jouait sur Titan à une époque. Et ouais, bref, on va dire, il a fait des trucs à la 2020. Et puis. Bah en fait j'ai pu voir en moment même genre les technicals de la scène CS, tu vois. D'accord. Si tu vois ce que je veux c'est dire, ils fait des... et eux ils sont là. Des pseudo vidéos journalistiques. Vraiment c'était drôle à voir. Et c'était horrible parce que putain à quel point ça a de l'attention ça. Et c'est vrai que je me rappelle quand on jouait à CS, c'était quand même t'avais beaucoup plus de problèmes comme ça à la communauté. Sauf que là-bas tu peux pas trop en parler quoi. C'est pour ça que c'est bien la commune mêlée aussi. Genre, autant qu'on est un peu refermé, etc., on est très. Oui, même s'il y a des problèmes, tout le monde n'est pas d'accord, ouais. Etc. Mais
on est en sécurité pour pouvoir en parler, etc. Ouais, il jouait à une Unreal Tournament, c'est vrai. Par exemple, juste Titan, un nombre de problèmes. Vraiment. Aïe. Bon, en attendant, Tech qui déroule le Fox. Ouais, bah on a préféré parler de ça. Hein. Doc Ock se faire éliminer le cul, mais ça se passe bien. faut que Doc Ock trouve quelque chose. Genre, s'il essaye des trucs qui marchent sur moi, bah ça marchera pas, quoi. Ouais. Faut lui dire, je crois. Je pense que. Que Ruby, faudrait qu'elle appelle pour lui dire. Mon frère joue à CS, il hurle. Et ben, ouais. Rip in peace pour lui. Moi, quand je joue à Dota. Ah, et toi, quand tu joues à Dota, tu. Ah, bah oui, je me rappelle quand j'étais out, c'est tout, parfois tu. T'étais là, mais putain, nique sa mère. Après, c'était un. C'était là avec ton micro, guys. Et justement, on joue beaucoup à Dota avec les mecs de Melee. Bah, je joue beaucoup avec King Funk. Ouais. Notamment Xardov, bon joueur d'Angleterre. Il y a Crystal Buff de temps en temps avec nous. Crystal Buff, c'est un. Ouais, anglais. Bon joueur, ouais, en anglais, ouais. Et qui est venu à l'Arca. L'Arca Melee, du coup. Et il a battu Link deux fois, je crois, entre l'Arca Melee et l'Arca Micro. Ok, très bien. Mais oui, il est chaud. Ouais, et puis on a des joueurs de PM au Danemark. Aïe. Aussi, genre vraiment, c'est une scène FGC, chasse mêlée, vraiment, c'est trop cool. Beaucoup de vieux qui jouent plus à mêlée, je crois. Mais c'est sympa. Et bah là, on était tous censés aller au TI, du coup, aussi. Ouais, bah, F, il y en a qui vont quand même. Ouais, il y en a qui vont. Okay. Il y aura beaucoup de mêlées, du coup, à notre TI. Peut-être voir une pancarte mêlée. Where's mêlée? Allez là. Ouais. Franchement, c'était bien tenté. Il y avait de l'idée. J'ai kiffé, je crois. Aïe. Ça par contre, non. Ouais. J'ai vraiment espoir sur PM depuis tout à l'heure. Ça se fait, mais pas avec ce retard, quoi. Non, mais ça se tente en vrai quand t'es... Ouais. Mais avec ce retard, 47% aussi, c'est assez facile de le cancel et tout. Fin. Ouais. Allez, offstage. Oh non. Il arrive pas à les guard en plus. C'est ça le problème. Ouais. Il prend du retard. C'est exactement le problème que j'avais contre Doc Ock tout à l'heure. Et là ça se manifeste pour lui contre. Mais il prend beaucoup de retard en neutral, mais en même temps, quand il a quelque chose, il arrive pas à capitaliser. Ouais. Bon, après, tech, il y a, etc. Stompni! Stompni, oh là là, mais qu'est-ce que c'est hype? Dites ça aux joueurs de chic, s'il vous plaît. Aïe. Bonne ouverture. Attends. Ça continue. Oh dommage. Non. Là c'était un grab. J'ai rêvé mais. Putain mais Tech est à ça de gagner la weekly. Imagine weekly, la Tech qui est très prestigieuse. Exactement. 20, très important. 20 joueurs. Imagine la Tech avec la ceinture de catch. Oh. Bien joué. Incroyable. Tellement hype. 3-0. Ah ouais, c'était cool. Il y avait du bon monde ce soir. Ça faisait plaisir en vrai. Ouais. Dommage, bien joué à Tech, bien joué à Doc Ock aussi, qui est bien remonté après sa défaite contre Shroom, je crois. Que t'as battu en plus, il me semble. Ouais. Ok. Ouais. Voilà. J'ai battu Doc Ock en poule, voilà, faut le dire aussi. Hein, est-ce qu'on peut dire que Lyon a défendu un peu sa terre quand même?